Aujourd'hui, je joue au facteur. J'ai reçu un colis et on va l'ouvrir à la radio. Ça sent les produits américains, ça, je vous le dis. Bonjour tout le monde, bienvenue dans nouveau vlog aujourd'hui. Je suis chargé aujourd'hui. Ah ma grande. Je suis chargé. Oh, si lourd, tu déménages? Non, tu vas voir, il y a de la surprise, il y a peut-être des cadeaux là-dedans. J'ai failli faire, je vous cache pas qu'aujourd'hui rien ne va. J'ai oublié mon micro, donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être un plus mauvais son que d'habitude. Et en plus de ça, ma grande, tu sais pas ce qui vient de se passer. Ma caméra est tombée à l'instant et a failli passer sous le tramway. C'est vrai. Ça aurait été tellement affreux. Toute ma vie dedans. Ah non. Regarde-moi ce pigeon, ma grande. Il est déglingué. On regarde pas assez les pigeons. Et l'autre jour, j'ai un copain qui m'a dit: t'as déjà vu des bébés pigeons? Jamais. Jamais, on sait pas où ils les cachent. Ils arrivent d'un coup. Ouais, grave. C'est bizarre ce truc. Non, mais il y en a à Paris, il y a des pigeons. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas où ils vont se baigner, mais ils sont dégueulasses. Mais t'imagines que les pigeons, c'est quand même des animaux. Et on n'a pas peur des pigeons, mais c'est des animaux. Et franchement, mais tu sais que moi. Franchement, on va parler juste sérieusement l'espace de quelques instants à propos des pigeons. Moi, je pense qu'un jour les pigeons gouverneront le monde. Puisque quand on était petit, ouais. Dès qu'on faisait hop, le pigeon s'envolait. Maintenant, il s'envole plus. Tu passes à vélo à côté, le pigeon reste juste, hop, il se décale un petit peu comme ça. Il chip. Ouais, limite le pigeon te chip. On vient d'arriver à la radio, on est très inquiet parce que Ludo n'est pas dans le studio. Et pourtant, il vient bosser en étant malade, donc j'espère vraiment. Et on parle dans le même micro. Et on parle dans le même micro, on va tous être malades. Non. T'as pas l'air très malade, hein? Non, ça va mieux. Ah, ça va mieux? J'ai tout donné, si vous voyez ce que je veux dire. Ah là là, hier il était au plus mal, c'était quoi, une gastro? Ouais, bonne gastro des familles, quoi, mais alors, paf. Et tu es sûr que t'es plus contagieux? Non, parce qu'on est toujours contagieux. D'ailleurs, c'est valable pour la gastro comme pour plein d'autres infections. C'est la munite. Comment ça s'appelle? Michel Simès. T'es contagieux en fait avant d'être malade. T'es contagieux quand tu sais pas. Ouais, voilà. Donc à partir du moment où tu es. Voilà, c'est bon. Voilà, donc okay. Je pense que voilà, toi, ce sera pour ce week-end. Ah non! Bon, alors, ma grande, depuis ce matin, je te parle de ce colis. Il va être temps de l'ouvrir. Sachant que, bon, je pense savoir ce que c'est puisque ça vient des États-Unis. Vous avez été plein ces derniers mois à me dire, faut que tu fasses un vlog sur les produits américains. C'est vrai qu'il y a différents sites internet qui proposent des boîtes de nous livrer des produits qui viennent directement des States. Et alors ça tombe bien puisqu'il y en a un qui s'appelle US Way of Life qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que ça vous intéresserait de tester notre service et nos produits. J'ai dit mais allez-y. Ils m'ont dit vous voulez quoi? J'ai fait franchement j'aime les surprises. Everything. Envoyez-moi un colis. Je vais l'ouvrir devant les caméras et on verra ce qu'ils proposent. Alors, ils ont aussi bien de l'épicerie américaine que des décorations américaines pour ceux qui veulent se la jouer, là, notamment à Noël et je tout. Je leur envoie décorations américaines. Bah, je sais pas. Va voir sur leur site. Tape, clique sur décorations américaines. Ah, des horloges. Fais voir ce qu'ils décorations ont. Décorations murales. D'accord, Coca-Cola, tout ça. Ah, si tu veux avoir des porte-clés USA. Voilà. De toute façon, eux, je pense que ce qu'ils m'ont envoyé, c'est de l'épicerie américaine, puisqu'ils savent qu'on aime manger sur ce vlog. Ma grande, je te laisse ouvrir maintenant. Parce que moi, je sais pas ouvrir les. Je sais pas ouvrir les colis, moi. Rien n'est cassé? Non. Oh là là, papier bulle. Ah non, c'est pas du vrai papier bulle, dommage. Ah, c'est bien. Ah non, c'est pas ça. C'est mon trophée YouTube. Merde, c'est pour ça que j'ai reçu deux colis. C'est pas ça du tout. Alors surprise. Surprise. Faut que je revienne demain. Attends, on va faire la cérémonie. Eh mais c'est pas ce que je croyais. Alors US Way of Life, on va faire le vlog dans ne quittez pas. Demain. La suite du vlog, on va la tourner demain. C'est mon trophée YouTube. Attends, on va faire la cérémonie. Oh là là. Au cas où ce soit mon trophée YouTube, il faut les amis que vous m'organisiez une cérémonie. Hein. On va faire une petite mise en scène. Ah ouais. T'as une cravate ou pas, Ludo? Ah là là, j'ai pas mis mon costume. Ah, si j'avais su, j'aurais mis un costume. Ah là là, vous me prenez de court là. J'étais persuadé que c'était pas ce colis là, ma grande. J'ai vu à ta tête. Non, mais en plus, parce que je. Attends, moi je vois la boîte. Et là, je me dis, en fait, ton truc des États-Unis, ils ont mis dans une boîte YouTube. Bah pour te faire plaisir. Mais je pense pas. Non, c'est pas ça. Alors voici l'enveloppe. Je vais décacheter.
des cachettes très très bien. Effectivement, je lis là que le trophée YouTube International Worldwide Company des 100 000, soit 100,000 abonnés, est attribué à Florian Honner. Le trophée, la magnifique hôtesse va venir te l'apporter. Comme ça, vous pourrez la voir pour une fois. Vous pouvez même voir ses belles jambettes. Et voilà, Florian. Oh là là. De la part de. De la part de YouTube. Alors attends, on va ouvrir. Ah ça se trouve, c'est encore une surprise. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Ah là là, non, alors attention. C'est le sextoy. Ma grande, vas-y, ouvre. Ça pète. Oh là là. Il y a une lettre. Il y a une lettre. En anglais. En anglais. Oh, signée de Suzanne Wojcicki, quand même. Hein. Ah bah, une polonaise. Qu'est-ce que c'est? You've just done something very few YouTube creators accomplish. You had an astonished 100 000 people subscribe. Bon, allez, hop. Ouais, enlève-moi ça. C'est Suzanne là. Et regarde, c'est pas des sextoys. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh là là. Il est beau quand même. Hein. Ah, c'est ouf. Waouh, waouh, waouh. Eh, il est beau. Oh, hey, on se voit dedans. On... Oh là là. Ah, moi aussi, là. Salut. Ah bah. Ah, il est lourd. Hein. Tu. Eh, hey, je vais mettre ça où sur ma cheminée. Vous avez pas une cheminée à me prêter? C'est génial. Tu vas le mettre où? Bah, je sais pas. Hein, je vais le mettre. Merci à tes abonnés. Hein, hey, merci à mes abonnés. Ouais. C'est grâce à vous. Alors là, en plus, c'est le trophée des 100 000 qui arrive quand vous êtes 144 000. Ouais. J'ai commencé le 1er janvier. C'était quand le 1er janvier? C'était le 1er janvier. Il y a 10 mois. Ouais, je me souviens et tu me demandes, je fais un vlog. Moi, j'étais là comme un con avec mes trucs de reine. Ah, c'est quoi un vlog? Ah oui, c'est vrai. C'était dans le teaser. On savait pas qu'un jour, tu ouvrirais ce truc. Ah bah non, ça on savait pas. En 2016, je vais rajouter une corde à mon arc. Je vais me mettre au vlog. Alors c'est vrai que ces derniers temps, quand j'en parle à mon entourage, beaucoup me disent... C'est quoi un vlog? C'est pas ce que c'est qu'un vlog. Bah non. Pourtant, je pensais que c'était connu un vlog. Ah génial, vous sonnez ça. Donc du coup, bah voilà, encore un grand merci à vous. Hop là. Donc du coup, c'était pas le bon colis. C'était pas le colis que je devais ouvrir aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, là on va se transformer. Donc je serai peut-être pas habillé pareil, mais chut. On va faire l'unboxing de US Way of Life quand même. Bon voilà, on a changé de jour par rapport à hier. Nous sommes le lendemain, vendredi. Entre temps, le studio a été décoré façon Halloween et surtout... Je me suis looké façon Halloween, ma grande. T'es beau. Qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait, ça, c'est que c'est normal. On a l'impression que c'est un costume que tu peux mettre tous les jours, toi. Ça me va bien. Mais parce qu'il y a des trucs écrits RIP, il y a des voilà. Tête de mort. Mais sinon, ça te va trop bien. Il est taillé pour toi, quoi. Franchement, ma grande, est-ce qu'on peut dire qu'on a rien m'habille? Ah franchement. Parce que t'as croisé des gens, ils ont même pas vu que t'étais déguisé, donc il y a un souci quand même. Tout le monde m'a dit waouh, ouais, t'es bien. Tout le monde m'a snappé dans le bureau là-bas et tout, c'est ouf. Bref, cela n'a pas nous faire... Ah non, je la garde, non, je regarde. Rends-moi cette caméra tout de suite. Cela n'a pas nous faire oublier que nous avons un colis à ouvrir, puisque, bon, bah, vous avez vu au début du vlog, c'était pas le bon colis et tout. Entre-temps, je suis allé réceptionner le bon colis, qui est en fait tout petit, ma grande. Ah ouais, je suis déçu pour l'instant. Mais non, non, mais il doit être grand, il doit être grand. Donc on rappelle que c'est le colis de... Et d'ailleurs, alors il n'y a même pas de suspense à avoir, puisque c'est écrit dessus. US Way of Life, ce site qui nous permet d'avoir des produits qui sont importés directement depuis les États-Unis. Je c'est lourd. 1 kg et quelques là. Je leur ai demandé de me mettre des surprises, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc on va ouvrir. Bonbons. On va ouvrir, ma grande. Alors là. Alors attention, oh là là, alors attends, on va pas tout déballer d'un coup. Déjà, montre-moi ça de face, ma grande. Oh, il y a plein de trucs en fait. Ouais, plein, c'est plein de petits trucs, mais il y a et plein surtout, de trucs. Ils ont bien imbriqué. Flashez et découvrez notre site. Donc allez-y si vous voulez flasher. Bim. US Way of Life. Merci à eux pour ce colis. Même si on ne sait pas encore trop ce qu'il va y avoir dedans. Eux, tu vois, ils savent aménager l'espace. Ouais, c'est des Américains. Ça... Tu vois que c'est un colis d'Américain, ça. Nous, les Français, il y a eu tout un truc, machin. Non, là, c'est bien. Ah ouais, c'est bien carré. Genre, quand t'as une petite chambre de quelques mètres carrés, eux, ils savent optimiser l'espace, je suis sûr. Tu fais appel à un Américain, t'es tranquille. Des nerds. Des nerds. Explique-moi ce que c'est, ma grande. Bah, je sais pas. Des bonbons, c'est des bonbons, hein. C'est ni plus ni moins que des bonbons. Est-ce qu'on peut regarder voilà. À quoi ça ressemble? Ah ouais, faut que j'ouvre encore. Tu veux pas? Si, si. Ah ouais, attends. Ah ouais, c'est une ouverture d'américain, c'est pour ça, je pouvais pas y arriver. Regardez. Ah ouais! Vas-y, oh là là, c'est quoi? C'est comme des tic-tac? Oh, mais c'est tout petit! Hop, je mange. C'est entre les tic-tac et les pèses. Tu vois les pèses? Ouais, les pèses, je me souviens, les trucs où tu mettais dans les. Dans les trucs en forme d'animaux là. Ouais, ouais. Ah, c'est à la pêche ça?
C'est bon, hein? Ouais, c'est bon, tu vois, c'est tout. Oh, ouais. Donc ça s'appelle, c'est où ça? Un truc contient seulement 1000 calories. Non. Les nerds, donc ça c'est le premier truc. On continue avec encore des nerds, mais à watermelon. Au parfum watermelon. C'est quoi, la pastèque? Ah bon? C'est un faux ami. Et au sauvery cherry. Ah, parce qu'il y a deux parfums dans le même truc, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Ah non, ouais, voilà. C'est ça, voilà. Ensuite, on continue avec. Un Lucky Charm Street. Bah ça, c'est les céréales qui ont été juste mis sous forme de barres. Hein. Ouais, mais regarde, il y a des bonbons dedans. Ouais, on n'a pas ça hein, chez nous. Hein. C'est que des produits exclus des States. Vous avez vu, j'ai du sang parce que c'était le maquillage d'Halloween. Donc, ils ont mis des bonbons dans la barre de Lucky Charm. C'est pas mal. Ensuite, ma grande, vas-y. Choisis un truc. Ça. C'est quoi? Ah, des Reese. Et ça, je l'ai reçu. Ouais, ça, je connais depuis quelques temps. Mais là, c'est au chocolat blanc. C'est trop, trop bon. C'est comme une... Tu connais, toi? Non, justement. Ah ouais. Ah, c'est trop, trop bon. Attends, tu veux goûter? Dans un de mes précédents vlogs, j'avais goûté ça, mais c'était au chocolat normal. Et là, c'est au chocolat blanc. Sachant que j'adore le chocolat blanc. Je te le déballe. Enfin. C'est comme... Mets-le-moi dans la bouche, ma grande. Oh, non, non, non. Oh là là. Goûte, goûte, goûte. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est quoi, c'est la cacahuète, un truc comme ça dedans? Moi j'aime bien ça, enfin je vais goûter là au chocolat blanc. C'est un peu écœurant pour moi. C'est vrai que certains peuvent trouver ça un peu écœurant, mais c'est qu'un riz quoi. Ouais, c'est le principe, mais. Ah, non, non. Ah, moi j'ai du mal quand même. C'est la cacahuète. Ouais. C'est un goût de M&M's un peu. Ouais, mais c'est comme si tu prenais, tu vois, 1 000 000 de M&M's que tu les mettais dans ta bouche simultanément. Enrobé de chocolat blanc en plus. Mais c'est trop bon. Jamais. Les Reese. J'ai vu un truc scandaleux, mon grand. Quoi, ma grande? Là. Là? Là. Ah non, j'ai pas vu. Non! Des Pringles au cheeseburger. Ça, c'est très donc, très ça, c'est des chips et c'est au goût de cheeseburger. Ouais. Non! Des Pringles au goût de mal, tu vois. Tu prends le truc gras. Ça, c'est les Américains. C'est une question bête qui m'inquiète. Ouais. Est-ce que les Pringles, c'est vraiment comme dans la pub, ça explose? J'ai peur avec des trucs qui explosent. Ah, je connais pas les pubs, moi. Ah bon? Non. Bah, ils font genre que ça explose. Non, non, mais ça explosera pas, t'inquiète pas. Ça va pas faire. Non. C'est pas un Samsung, c'est pas un Samsung. Très bonne blague de Mia. Les Pringles, j'adore, surtout après avoir mangé tous je mes trucs. Pas, je peux pas, moi. Ça sent quoi? Attends, je vais sentir l'odeur déjà. Ça sent vraiment le hamburger, ça sent le McDo. Ah, ça sent le McDo. T'ouvres le paquet, c'est vrai, sans Mia. Ah ouais, c'est vrai, ça sent le cornichon du McDo. Ouais, ouais, c'est ça. C'est très bizarre. En fait, l'odeur qui ressort le plus du cheeseburger du McDo, c'est le cornichon, en fait. Allez, je goûte, Ah ouais, tu goûtes? Allez. Oh là là. Ça a le goût du cheeseburger du McDo. C'est vrai, vraiment. Ouais. Moi, je trouve. Mais c'est à cause du cornichon. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'est le goût du cornichon. C'est là où on s'aperçoit que ce qui ressort le plus du cheeseburger, ouais, c'est le cornichon, vrai, en fait. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça. Ouais. Mmh. Donc ça, bah, franchement, Pringles au cheeseburger. Ça c'est bien ça. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. Il y a des M&M's, mais c'est des M&M's spéciaux ça. Des Skittles. Peanut butter. Ah, ça doit pas être mal, ça doit être bien bien frais encore, mais... Partagez-vous ça, les filles, faites-vous plaisir. Voilà. Skittles, c'est quoi des Skittles? Ah, tu connais, on en avait ça, ouais, c'est les bonbons... Aux fruits. Aux fruits. Aux fruits, ah non, aux fruits, t'as dit fruits. J'en veux pas, j'en veux pas. La salade, j'en veux pas. Ça doit être bizarre, je sais pas ce que c'est là. Fais voir, ça s'appelle comment? Il y a des fruits, hein. N'aie pas peur, mais... Ice Breaker Souls. Ah, il y a de la pastèque. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Latina, le son latino qui vous donne envie de vous ordiner toute la journée un cocktail à la main sur une plage paradisiaque. Alors allez-y, c'est le pouvoir de la pensée, on peut tout faire avec. Imaginez-vous sur une plage de rêve, celle que vous avez adorée par exemple cet été. Allez-y virtuellement avec la personne de votre choix et imaginez-vous danser sur le sable chaud sur Latina, le ciel Cinco tout de suite sur Latina. Ça sent le chimique, hein, je vais pas te mentir. Ah, c'est vrai que ça sent fort. Hein. Ah ouais. Ça sent fort le fruit. Et goûtez ça. Ah mais ça a vraiment le goût de pastèque par contre. La pastèque chimique. Non mais le goût, ils ont réussi à reconstituer. Je pense pas que ce soit de la vraie pastèque, hein, mais ils ont réussi à reconstituer le goût de la pastèque. Mmh. Franchement c'est intéressant, les Américains ils sont forts. Alors, ah ça en connaît. Oh là c'est là des chips ça. J'adore le poivre. Ouais. Tu les veux Mia pour chez toi? Ah ouais. Vas-y, vas-y, bah, y en a pas beaucoup. Mais hein. Non, mais goûte-les par contre, elles sont trop bonnes. Ah, mais je connais. C'est un peu olé olé comme nom quand même. Oh là là, ça c'est scandaleux. Ça c'est quoi? C'est du chocolat? Chocolat mais au cookie. Non. Ouais. Et ça on va le goûter hein. Au cookie les gars. Et là c'est du chocolat. Comment c'est possible? Au candy corn et candy beets. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Candy corn. C'est pas ça? Ouais mais regarde, c'est quoi ce dessin? Oh, aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, au candy corn et candy beets.
C'est peut-être les grains. Candy. Ah, la raison. Candy, c'est de maïs. Mais Candy, c'est pas bonbon? Non, c'est une, si, c'est une héroïne de dessin animé. Ah. Corn, ouais. Bonbon de maïs. Bah, mangez, mangez. Et enfin, oh là là, ça, ça a l'air trop bon, ça. C'est le riz mais en crispy crunchy. Oh là là. Oh là là, et ça, ça va être bon. Ça, je vais ça on va se le taper direct. Je vais aller manger mon gâteau. Et dans tout ça, il n'y a même pas mon C'est le goût du riz mais en croustillant dedans. C'est bon. Enrobé de chocolat, moi j'aime bien. Cacahuète à l'intérieur. Ouais, ils sont pas moqués de toi quand même, c'est marrant. Non. Merci. Mais c'est surtout ce qui est marrant, c'est si tu vas aux États-Unis, quand tu reviens, des fois, t'es rassuré de savoir que tu peux trouver la même chose quand même, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, hein, pour ne rien vous cacher, moi par exemple, mes ongles, on peut en parler de mes ongles, et bien là-bas j'ai trouvé des stylos qui te colorient, tu te colories les ongles si tu sais pas te mettre ton vernis, d'accord? J'avais trouvé ça à Miami, mais après tu fais comment quand tu rentres ici? Ah! T'es dans la merde, tu dois attendre d'avoir quelqu'un qui va aux States pour t'acheter. Et voilà, et tu fais partie de ces gens. US Way of Life, du coup, parce que bon, là ils m'ont envoyé de la bouffe, mais ils ont aussi d'autres produits, de la décoration et tout, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc franchement, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Le colis était très bien fait, très bien rangé, très solide. Merci US Way of Life pour ce cadeau. Et ben on va se partager le magot avec, avec Emeline, Mia et pas Ludo parce qu'il sort d'une gastro et c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour ce qu'il a. Halloween, Halloween. Ah, ça rend trop bien ce plan avec moi derrière la toile d'araignée. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Joyeux Halloween à tous ceux qui fêtent Halloween. On se retrouve demain pour un prochain vlog. Et d'ici là, toutes les infos sur US Way of Life sont dans la barre d'infos. Je vous mets le lien, il suffit d'aller voir leur site si vous voulez commander, si vous voulez tester, si vous voulez juste voir à quoi ça ressemble, si vous voulez voir les prix aussi. Nouveau vlog demain, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé mon costume et ce vlog et tout ce qui s'est passé dedans. Vous me rejoignez sur mon Facebook Florian On Air, sur Twitter, Snapchat, Instagram et Periscope. Il y a aussi Florian On Air et puis vous abonnez à la chaîne, hein, n'hésitez pas. A bientôt. Yeah.